Quand tu voyages à l'étranger, c'est toujours bien de connaître un peu la langue. Bonjour, merci, au revoir. C'est la base, c'est la classe, c'est ce que nous ont appris nos mères. Après, j'aime bien toujours rajouter. Tu es très jolie. Je suis dresseur de dauphins. Et avec ça, je peux aller n'importe où. En Israël, bien sûr. Shalom, salam, salut, namasté. Je suis à Tel Aviv, en Israël. Habituellement, je voyage seul. Mais là, je suis avec mon caméra-pote pour vous faire partager mes aventures. Et je vais essayer de vous emmener là où vous ne m'attendez pas, en Israël et en Palestine. Je vous garantis qu'ensemble, on va manger du bitume, de la poussière et du soleil. Tel Aviv, c'est une ville réputée pour ses plages, plus de 14 km de littoral, dont 6 à 7 de plages. On m'a dit qu'il y avait plusieurs styles de plages. Ouais. Tu sais, il y avait la plage pour les religieux, ouais. la plage pour les homosexuels, la plage ouais. pour les... Alors religieux, c'est là-bas, homo, c'est là. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop de monde, donc c'est pas trop flagrant. Bon, maintenant, je vais bouger sur la plage des chiens, voir si c'est des chiens errants ou des chiens accompagnés de leur maître, surtout si c'est des pitbulls ou des rottweilers. This one. Ici, c'est la plage des chiens. Oui, c'est la plage des chiens. Je suis venue avec eux. Tu viens tous les jours ici? Pas tous les jours, mais de temps en temps. Kurimli Guillaume. Demande à papa. Kurimli Guillaume. Pisse pas après le fauteuil. Ici, c'est pas le mur antiterroriste, encore moins le mur des lamentations. C'est tout simplement le mur qui cache la plage des religieux. C'est la fameuse place des religieux. Les hommes se baignent un jour, les femmes l'autre, ils se baignent jamais ensemble. Je peux aller à l'intérieur, voir la plage? Oui, avec mon ami. C'est écrit que c'est ouvert au public. Mon ami peut me suivre? C'est OK? Cet ami? Oui, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est réservé aux hommes aujourd'hui. OK, je suis un homme. Il y a une drôle d'ambiance sur cette plage. C'est à la fois très étonnant et très serein. Cette enfilade de plages reflète bien une réalité de Tel Aviv. Une mosaïque de communautés très différentes qui vivent ensemble, mais restent cloisonnées. Tel Aviv, c'est une ville de la nuit. En tout cas, elle a la réputation d'être une ville de fêtards. Une ville qui ne dort jamais. J'ai rien de prévu ce soir. Je vais sortir un peu pour me rendre compte par moi-même. Je vais commencer mon exploration par le bloc. D'après mes infos, il y a une soirée gay-friendly ce soir. On va voir ce que ça donne. Voilà, je suis presque à l'intérieur. Bon, sincèrement, j'ai un peu la pression parce que c'est... Effectivement, c'est une boîte homo. Donc, avec des garçons. Bon, je dois reconnaître que c'est pas trop ma cam, mais au moins ça prouve que Tel Aviv est une ville plutôt tolérante. Elle a d'ailleurs été proclamée meilleure ville gay au monde en 2011. Je vais essayer un autre club, plus traditionnel, qu'on m'a conseillé. Beaucoup d'Israéliens viennent faire la fête à Tel Aviv. C'est un peu une oasis de détente dans un pays où les tensions sont permanentes. Beaucoup de jeunes qui font leur service militaire viennent décompresser ici. Ils font l'armée pendant plusieurs années, garçons comme filles. Alors ils profitent à fond de leur permission.
Finalement, c'est un peu comme partout. J'ai pas l'impression qu'on y fasse plus la fête qu'ailleurs. Je préfère rentrer pour être en forme demain. J'ai rendez-vous avec des experts en baston. Moi, demain, j'ai une grosse journée. Non, c'est bon, on se coucher. Ça va bonner. Vanessa Paradis, you know, Joe le taxi. Yes. Oui, c'est Joseph le taxi. Franchement, la petite Vanessa, elle est partout. Aïe, aïe, aïe. Tous les coins noirs. Bon, là, je suis sur le parking du centre sportif de Césarée. Et dans le gymnase, il y a un stage de Krav Maga. Bon, le Krav Maga, c'est quoi? C'est pas compliqué. C'est du sport de combat de rue. L'Ultimate Fighting à côté, ou le Muay Thai, c'est de la gym suédoise. Et je me sens bien, et je crois que je vais aller me la donner avec les gars. Bon, il y a du high level, c'est les meilleurs du monde, ils sont là pour passer un stage, mais j'ai pas peur. Ah! Bon, là, je suis au cœur de l'action. Tout à l'heure, je vais aller me frotter avec les Krav Magers. Tout est permis ici. Coup de poing dans les testicules, fourchette dans les yeux. Les mecs sont vraiment chauds. Au Krav Maga, les seules choses factices sont les kalachnikovs, les guns en plastique. Les coups et la transpiration sont vraiment réels. Le responsable du camp qui nous m'a demandé de ne pas filmer certaines personnes parce qu'ils font partie des services spéciaux, des services secrets, de la police, où ils sont encore en activité dans les services. Donc on n'a pas le droit de les filmer pour les protéger. Bon, ils ont des cagoules, déjà on les verrait pas avec leur casque, mais bon, quand même on va respecter, parce que j'ai pas envie de finir dans le panier de basket entouré de Krav Maga. Le mec qui retient pas ses coups, il se lâche. Bon, les gars ont des gilets pare-balles ou des casques, mais quand même ça va faire super mal. Puis voilà, c'est des beaux bébés quoi. Il y a des gens qui parlent français ici? Français? Ouais. Ouais, il y a le type en fauteuil roulant là-bas. Lui, il parle français. C'est une mine ouais, iranienne en fait qui a traversé le blindage. Ouais. Qui m'a coupé les deux jambes nettes. Ah, t'étais dans un blindé? Ouais. D'accord. Et vous étiez tout seul dans l'accident ou... Non, il y a d'autres personnes. Qui sont morts ou qui sont blessés? Oui. Il y a le chauffeur qui est blessé et le tireur cette fois qui est mort. D'accord. Ça fait longtemps que t'en fais? Oui, c'est depuis 96 que je suis instructeur de Krav Maga. D'accord. Et j'ai été actif jusqu'en 2001, après avoir été blessé lors d'un accident en 2006. Après l'hôpital, j'ai recommencé à en faire pour plaisir. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'un handicap, quel que soit le handicap, qui font du Krav Maga maintenant? À ma connaissance, en France, je ne connais pas. Il doit sûrement y en avoir dans différents clubs, certainement. Concrètement, ça vient d'où, le Krav Maga, en fait? C'est un truc vraiment israélien Oui. Et en hébreu, ça veut dire combat avec contact. Combat avec contact en hébreu, d'accord. Ces techniques, en fait, sont issues majoritairement des techniques pour l'armée israélienne. D'accord. Après les années 60, entre 60 et 70, il y a eu de plus en plus de problématiques au niveau des colonies, et surtout des attaques couteaux, des attaques avec des hachettes, etc. Donc, les gens de Krav Maga ont été sollicités pour réfléchir à trouver des réponses. Et ces réponses ont été amenées pour les civils israéliens. Je ne veux pas comparer ça à l'Ultimate Fighting, mais l'Ultimate Fighting, tu as plus ou moins des règles quand même. Oui, que ce soit MMA, Ultimate Fighting, sont d'excellents combattants, sont des guerriers, mais ils font un sport. Et ils n'ont pas le droit, par rapport à nous, de mordre, de frapper dans la gorge, de frapper dans les parties génitales ou dans les yeux. Par exemple. D'accord. Si le Krav Maga, c'est nos limites, mais t'as le droit à tout, quoi. Non, c'est nos limites. C'est nos limites. C'est avant tout pour se défendre en cas d'agression. C'est une technique. Voilà, c'est pas pour agresser, non, bien sûr. Non, sûrement pas. Je vais essayer de gratter 2-3 cours de Krav Maga, tu sais. Comment faire une clé de bras, comme ça, si un jour je me fais agresser. On va travailler d'abord sur la menace. D'accord. Ici. Ouais. Ça va saisir.
quand je parle, quand je fais l'action. Ouais, d'accord. Boum. Ok. Ok. Là, ta montre, boum. Ouais, c'est bien, ça. Bam. Ok. Mais ouais, j'ai peur. Depuis ce matin, 11h du matin, je suis là, j'ai vu les gars. Et j'ai vu ce qu'il était capable de faire, cet enfoiré. Donc, comme je le dis, je me méfie. Putain, bâtard. Elle est bien, on la refait ou quoi? Putain. Bon, moi lundi je me mets au Krav Maga. Je te remercie, c'est cool. Bon, effectivement, le Krav Maga c'est super violent. Les mecs toute la journée ils se mettent sur la gueule. Mais à la fin de chaque combat, il y a une accolade, ils s'applaudissent, ils s'enlacent. Finalement, il y a de l'amour dans le Krav Maga. Faut le trouver, mais il y en a quand même. Krav Maga. Bon, j'ai appris un truc aujourd'hui. C'est qu'il faut toujours se méfier d'un mec en fauteuil roulant. Ouais, Stéphane m'a dit que c'était lui le seul mec amputé qui faisait du Krav Maga. Je suis vert, limite écœuré même. Je pensais être le premier paraplégique à faire du Krav Maga, surtout en Israël. Bon, le mec amputé des deux jambes, je respecte. Tu vois, je respecte. Mais il continue sa passion, je veux dire, il tripe et... nos limites, quoi. C'est bien. On peut filmer à l'intérieur? Non, pas de caméra. Moi, je suis en route pour Eilat, qui est à l'extrême sud d'Israël, entre la Jordanie et l'Égypte. Je vais traverser tout le désert du Negev. J'ai rendez-vous là-bas pour une plongée en mer Rouge. J'ai rendez-vous au Centre National de Mariculture où je vais rencontrer deux personnes spécialistes de la préservation des coraux. Salut les gars, comment ça va? Enchanté, je m'appelle Guillaume. Dar. Moi c'est Luz. Nice to meet you, Luz. Enchanté, Luz. Merci. On est des écolos. On travaille sur la culture du corail. Pourquoi tu penses que le corail est si important? C'est important pour les poissons, c'est une sorte de forêt, mais une forêt sous la mer. Sans les arbres, il n'y aurait pas d'animaux dans la forêt. Donc c'est pareil pour le corail. C'est pourquoi c'est si important. Oui, le problème des coraux maintenant, c'est le réchauffement de la planète, la pollution. Ça, c'est l'étape suivante. Ah ok, pardon. À Eilat, ce sont les activités de loisirs comme la plongée qui abîment le corail. On continue de croire qu'il suffit de faire une réserve naturelle pour que le corail se régénère tout seul. On décide de restaurer les coraux quand la nature ne peut pas le faire elle-même, ou que cela prendrait plusieurs siècles. 90% des forêts en Europe sont faites par les hommes. Ils font pousser des plants, pas des graines. Quand les plants sont assez grands, ils sont replantés dans la forêt. Ok, et vous faites la même chose avec les coraux? Exactement. Non, mais la meilleure façon d'aller voir ça, c'est d'aller plonger. Tu vas aller plonger? Bien sûr. Bon, c'est cool, on est sur le spot de plongée. À l'endroit où on va plonger juste derrière les bouées, là. Et je suis assez excité parce que je plonge pas mal, mais c'est la première fois que je vais faire, entre guillemets, une plongée éducative. Ouais, en général, quand tu plonges, tu pars en bateau. Là, aujourd'hui, comme le site est vraiment pas loin, on va partir directement de la plage pour accéder sur le spot de plongée. Ouais, forcément, moi, les pommes, ça sert à rien. Plus d'encombrement qu'autre chose. Donc moi, j'utilise des gants palmés. Mes gants, c'est super simple, c'est des gants en néoprène. Bon, je mets quand même des boots, des chaussures. Parce que mes jambes traînent et je voudrais pas exploser tout leur boulot. Ça fait 3-4 ans qu'ils bossent là-dessus, les gars.
Darelous font pousser les coraux pendant un an, avant de les réimplanter en mer. Dans la nature, les coraux grandissent d'un centimètre par an. Dans leur nurserie, la moyenne est de 5 à 10 cm. Quand ils se sont acclimatés, Darelous prélève le massif en entier. Il le remonte à la surface et le traîne avec un bateau pour le réimplanter dans la zone où les coraux sont détruits. Il développe cette méthode en attendant de pouvoir l'adapter à grande échelle. À Eilat, c'est expérimental, mais en Jamaïque, aux Seychelles et en Colombie, la méthode est déjà utilisée en milieu naturel. En Thaïlande, ce sont même les pêcheurs qui font pousser le corail de cette manière. Ah, c'était intéressant, c'était cool. Faut pas oublier que notre planète, c'est 7 dixièmes, c'est de l'eau, quoi. Ah, c'est trop difficile. Je crois que c'est le pire truc de la plongée. C'est un boulot de longue haleine, c'est assez long. Un corail, pour le casser, c'est vite fait, c'est 10 secondes, mais pour qu'il revienne à sa taille adulte, qu'il grandisse, c'est plusieurs années. Ils sont à fond et ils sont motivés et ça se passe bien pour l'instant. Ils y vont tous les jours, ils bossent bien, quoi. Arrivé à Jérusalem, je monte vers la vieille ville pour faire un tour dans le dédale des ruelles. Beaucoup d'importants lieux sacrés y sont concentrés, comme le Dôme du Rocher, le mur d'élémentation et le Saint-Sépulcre. Je suis à Jérusalem, au cœur de la vieille ville, la ville trois fois sainte. Juifs, catholiques, musulmans s'y retrouvent, se croisent, se parlent pas, se regardent à peine. Batman. Balèze. Salut, comment ça va? Bien, Guillaume. Youssef? Ouais. C'est toi le mec qui loue les croix? Ouais. Donc, tu loues des croix aux pèlerins? Oui. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ouais. Ça coûte combien une croix? Une croix? $20. Les croix sont très lourdes? Oui. Combien elles pèsent? 3 kilos. 3 kilos, pas plus. Oui. Le mec qui fait les croix, il est de Jérusalem? Oui. Jérusalem et Bethléem. Ah, Bethléem. Palestine, donc. Tu as beaucoup de touristes qui te demandent des croix?
Ces croix-là? Oui. Tous les jours? Tous les jours. C'est marrant, parce que t'es musulman. Oui, je suis musulman. Et tu fais du business avec les catholiques? L'argent, c'est pas un problème. C'est pareil pour les musulmans, les juifs ou les catholiques. Gagner de l'argent, le reste, on s'en fout. Ouais. Je peux pas porter la croix comme Jésus. C'est impossible pour moi. Tu peux me mettre des petits trous, comme sur mon fauteuil? Comme ça, je peux l'attirer comme ça, tu vois? Ouais, ouais. C'est possible? Ouais. T'es sûr? Ouais. En plus de louer des croix, Youssef prend des photos qui vont aux pèlerins. Pour se prendre un bon petit billet derrière. Il y a aussi du business à Jérusalem, comme partout. Ok, Youssef, merci pour tout. Je t'en prie. Tu vas revenir? Peut-être une prochaine fois pour louer une croix. Merci. Mais une croix avec des petits trous. C'est plus facile pour moi. Merci, bye bye. Ciao. Salut mon ami, comment ça va? Bien et vous? Ouais, ouais, tout va bien. Ouais, j'avais entendu parler de ce shop-là, spécial kippa, mais j'hallucine, il y a toutes les kippas de la planète. Springboks, Afrique du Sud, Homer Simpson, PSG, Pepsi, même le Croco Lacoste, Superman, Shrek, Apple, YouTube, Bob l'éponge, collector Bob l'éponge quand même. Harley Davidson pour les bikers, en cuir. C'est toi le patron du magasin? Oui, monsieur. Je suis Kippa Man. Ça fait longtemps que tu as ce magasin? 29 ans. 29 ans. Pourquoi les gens portent des kippas? Parce qu'il faut savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. C'est Dieu. Tu as beaucoup de clients qui ne sont pas juifs et qui t'achètent des kippas? Beaucoup de non-juifs achètent des kippas. En souvenir, comme ça. Qui fabrique les kippas? Des Israéliennes, quelques Chinoises. Et beaucoup d'Arabes. C'est pas un blasphème de porter une kippa avec Bob l'éponge? Ça rend heureux. Si ça te rend plus heureux, pourquoi pas? C'est sympa ce kippa, man. Je crois que je vais m'en acheter une ou deux pour l'esprit quand même, histoire de ramener un souvenir de Jérusalem. Merci beaucoup. C'est mon anniversaire, j'ai 50 ans. Happy birthday to you, Kippa Man. Happy birthday to you, Kippa Man. Thank you very much. Merci beaucoup, j'apprécie. Et bonne chance à tous. Salam alaikum. Ma prochaine étape, c'est Hébron, en Palestine. Mais avant, je vais faire un petit crochet pour piquer une tête dans la mer morte. Yallah. La mer morte, ça fait partie d'Israël ou de la Palestine? Israël. Il y a deux sites. Un pour les Palestiniens et les Israéliens ensemble, et un pour les Israéliens seulement. Ok. Pour la baignade, je vais voir si elle est bonne. La mer morte, c'est tout simplement hallucinant la sensation. On flotte comme ça, tranquille. C'est quasiment 30% de sel, alors que la plupart de nos mers océans sont entre 2 et 4%. En plus de ça, c'est l'endroit sur la planète le plus bas, moins 420 mètres sous le niveau de la mer. C'est pas la classe, hein. La boue de la mer morte est très concentrée en sel et en minéraux. Ses vertus pour la peau sont reconnues depuis l'Antiquité. Tu peux m'en mettre sur le visage? Un petit peu. Moi? Oui, oui, toi. Tu viens d'où?
J'habite en Allemagne. Où en Allemagne? Munich. Ah, j'adore Munich. Bye bye. Ouais. Je suis pas venu pour rien. Je vais repartir avec une belle peau, mais dans un premier temps, faut que je me rince. J'ai l'impression de ressembler à une mouette après le naufrage de l'Erika sur les plages bretonnes. C'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle. Il y a un checkpoint ici, Mohamed? Oui. Donc après, on est en Palestine. On est déjà en Palestine. Mais il y a un checkpoint parce qu'il y a des Juifs installés ici. Ok, des colonies. Oui. C'est quoi dans le ciel, Mohamed? Dans le ciel, c'est une caméra fixée sous un ballon. Les services secrets israéliens veulent voir tout ce qu'il se passe en Palestine. Ah, et ils voient tout ce qui se passe en dessous. Ils voient toute la ville d'Hébron. Je suis à Hébron, au sud de Jérusalem, en plein cœur des territoires palestiniens. C'est ici, selon la tradition, qu'Adam et Ève se sont réfugiés quand ils furent chassés du paradis. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de tensions. En ce moment, c'est plutôt calme. J'espère que ça va le rester, comme on dit ici, Inch'Allah. Là, j'ai rendez-vous avec mon pote Hamé, un ami que j'ai rencontré l'an dernier lors de mon premier voyage. Déjà là. Comment ça va, l'ami? Salut. Ça va bien? Très tranquille? Bien. Très bien, et toi? Pas trop longtemps que t'attends ou quoi? Non, ça va, c'est bien. Cool, ça fait plaisir de te revoir. Donc, bah, bienvenue. Ben merci, hein. Merci de me recevoir. Hébron, c'est l'une des plus grandes villes de Palestine, du moins la plus peuplée. Oui, souvent on dit que Hébron est la colonne vertébrale de l'économie palestinienne. Et est très connue aussi pour le tombeau des patriarches. Voilà, donc ce sont des lieux touristiques et symboliques, je dirais même sacrés. Bien sûr, sacrés. Oui, pour les trois religions. L'islam, voilà. Le christianisme, le judaïsme. Exactement. Mais souvent, moi j'ai entendu des touristes français. Avant qu'ils viennent en Palestine, on leur fait peur d'Hébron. On dit que Hébron, c'est une ville interdite, une ville entre guillemets rouge. Ouais. On ne peut pas y aller là-bas. Mmh. Moi, je pense que c'est pas assez d'entendre ou bien d'écouter sur la Palestine de l'extérieur, de l'étranger. Il faut venir voir sur terrain ce qui se passe. Moi, quand je suis venu la première fois à Hébron, on m'avait diabolisé la destination. On m'avait dit non, fais gaffe là-bas, c'est dangereux. En plus, toi en fauteuil, il va y avoir des soucis. Je suis venu ici et j'ai eu du bonheur. La vie à Hébron, c'est pas trop compliqué? La vie à Hébron, à Naplouse, à Bethléem, à Ramallah est compliquée. C'est-à-dire notre vie en général est compliquée. Nous avons un problème, nous avons commun. Ce qui est l'occupation. Bien sûr. L'occupation existe partout. Et cela fait beaucoup de tensions sur les Palestiniens. On est dans une atmosphère un petit peu tendue. Ouais. Hébron, par rapport aux autres villes palestiniennes, a un cas particulier, c'est-à-dire les colonies, les colons sont à l'intérieur, au centre de la ville. Et ça fait vraiment un conflit, une tension. Le fait de voir qu'il y a 400 colons qui dérangent la vie de 500 000 habitants. Quand vous descendez dans la vieille ville, quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'il y a un calme. C'est vraiment calme. C'est calme dans le sens qu'il est triste. Ouais, c'est mort. Ce calme, voilà, il est mort. Et c'est vraiment triste ce que je vais dire. Il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire, il n'y a pas d'espoir d'avoir
une paix ou une solution. C'est-à-dire qu'ils sont déprimés, les gens. Il n'y a pas vraiment un partenaire israélien avec, avec lequel on peut dialoguer. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, c'est vraiment... c'est comme on est dans le mur, on va dans le mur. C'est-à-dire tout est bloqué. C'est vraiment chaud. Au fur et à mesure que tu marches, tu trouves que les magasins sont fermés. Parce qu'on s'approche des lieux de tension, quoi. Bah, tu vois, maintenant, on a l'impression que voilà, c'est calme. Tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de bruit. On s'approche, c'est vraiment... Il s'agit de voilà, 20 mètres, 30 mètres, ça a changé. Toutes les maisons qui sont sur la route, sur les commerces, là, sont des maisons des Juifs qui ont été occupées. Les Palestiniens ont décidé de mettre sous siège, en fait, pour protéger. Pour les protéger. Que les Juifs jetaient des pierres. Cailloux, des, vous voyez, des bouteilles de... Taille vide, des pièces de des carton, des poubelles. Oui, bien sûr. Voilà. Ça fait longtemps qu'ils sont là ? Oui, oui, oui. Depuis longtemps. Au-dessus, il y a les colons juifs, mais aussi il y a des soldats qui sont là pour protéger les colons. Et là, comme ici, là avant, il y avait des commerces ici, là. Oui. Et mais les gens ont été expropriés, genre on leur a fait fermer leur commerce. Voilà, c'est par les militaires israéliens qui ont fait fermer les commerces. Il y a au moins 300 magasins qui sont fermés ici. Voilà, ça date des événements des années 90. Où on va ? Voilà, on n'a pas d'autre choix. Les gens gardent l'espoir jusqu'à ce moment. Et ce qui signifie vraiment une résistance intérieure chez les Palestiniens. Ben merci. Hein. Choukran Khouya. Choukran Khouya. C'est triste. Là, comme vous voyez, il y a peu de magasins qui sont ouverts. Ouais, je vois. Mais malgré tout, ils essayent de travailler. Quoi. Tout est fermé. Hébron, c'est un peu un résumé du conflit en miniature. La ville est habitée depuis toujours par des Palestiniens et des Juifs. Elle a connu des massacres dans les deux camps, et chacun se renvoie la balle. Elle abrite le tombeau des patriarches, un lieu saint commun aux deux religions. Ici, les colons juifs radicaux défient tout le monde. Les Palestiniens qui vivent à Hébron en premier lieu, mais aussi la majorité de l'opinion publique israélienne, et même les militaires qui les protègent. Cette minorité fait d'Hébron une véritable poudrière. Là, on s'approche de checkpoint, en fait. Là, c'est qui va nous amener à la mosquée d'Abraham. Ouais, donc là, il y a les soldats. Donc en fait, tu rentres par là et tu sors par là. Voilà. Donc là, ça, c'est le checkpoint, comme vous voyez, qui mène à la mosquée d'Abraham. Chaque personne qui va aller prier, est obligé de passer le checkpoint. Exactement. Il est obligé de passer par le checkpoint et de faire le contrôle... comme à l'aéroport. Voilà, contrôle de sécurité. Quoi. Exactement. Le vrai religieux qui va prier 5 fois par jour, il est obligé de... Ils sont obligés de faire ce contrôle 5 fois par jour. Ma visite de la vieille ville d'Hébron s'arrête devant ce checkpoint. Je pourrais le franchir, mais ça demanderait une longue coordination avec les militaires. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour être sensible au sort de ces gens qui vivent sous une pression permanente. Merci encore, Samy, pour la visite. Merci, ça nous fait plaisir de vous revoir. Et j'espère à la prochaine. À bientôt, peut-être à bientôt. En France. Bon ciao, courage. Ciao. Merci. Et bon, à bientôt. Inch'Allah. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Bon, je continue mon périple dans le nord de la Palestine et je vais essayer de me rendre à Qalqilia. La particularité de cette ville, c'est qu'elle est entourée du mur. Excuse-moi, pour aller à Qalqilia, c'est ici ? Choukran Khouya. Attends, prends ici mon ami. Ok ? Ok. Choukran Khouya. Je suis à côté du pilote, c'est tranquille comme ça. S'il y a du danger, je peux me baisser direct ou je peux sauter par la fenêtre comme ça. Nice car. Nice. New. Nice.
En 2002, l'État d'Israël a commencé la construction de la barrière antiterroriste, qui s'étend sur plus de 700 km. Le mur englobe plusieurs colonies israéliennes en Cisjordanie. Kalkilia est par conséquent littéralement entourée par le mur. Je suis devant le fameux mur de séparation, devant une pépinière. Kalkilia est ici, l'Israël de l'autre côté. Avant, les gens avaient juste à traverser pour aller au champ. Parce que la plupart des gens de Kalkilia sont agriculteurs. Maintenant, ils sont obligés de faire un grand détour, plusieurs kilomètres, passer plusieurs checkpoints. La ville est en train de mourir. Je pénètre plus profondément dans la ville, étrangement calme et vide. Il existe un lieu étonnant à Kalkilia, un zoo que je vais visiter pour sa valeur symbolique. Hello. Salut, comment ça va? Les zoos, en général, c'est pas trop mon kiff. Ça me tenait à cœur de venir ici, car l'unique zoo de Palestine est dans l'unique ville complètement entourée du mur. En quelque sorte, c'est plein de petites cages dans une grande cage. Oh les babouins, j'ai des bananes mais c'est interdit de leur donner. Il y a beaucoup de mouches ici quand même. Ah, désolé les copains, c'est interdit de vous nourrir. C'est marqué sur le panneau, un truc super sadique. Mais la banane est super bonne. Ça reste entre nous. Je leur fais une banane en scred. Hein? Je peux pas. Non. Je peux pas, je suis désolé les gars. Non. Là, je vais aller voir le docteur Sami Kader, qui est le vétérinaire du zoo. Il m'attend dans sa clinique. Hello, docteur. Hello. Hello, where are you? 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Thank you so much. So, is you the... Donc, c'est vous qui avez créé le zoo de Kalkilia? The zoo in Kalkilia? Oui. Le zoo a ouvert en 1986, donc les animaux sont très vieux. Comment vous amenez les animaux en Palestine? On a de bonnes relations avec les zoos israéliens. Ils respectent mon travail et nos besoins pour le zoo. Tous les animaux viennent de zoos israéliens? Oui, oui, on peut dire tous. Avant, on avait des girafes qui venaient de l'étranger, deux girafes. Mais on les a perdues pendant l'intifada. Des tanks sont entrés dans la ville. Une des girafes a eu peur des tirs. Elle s'est cognée sur une barre de métal. Les girafes ne peuvent pas s'allonger car la pression sanguine du cœur à la tête est très forte à cause de leur long cou. Alors on a perdu cette girafe qui s'appelait Brownie, le mâle. 10 jours plus tard, la femelle qui était enceinte est morte de tristesse. Et on a perdu son petit aussi. Donc vous m'avez dit que les zoos israéliens vous aidaient beaucoup. C'est un bon exemple pour la paix entre Israël et la Palestine. Oui, oui. Alors ça, c'est un rapace. C'est un oiseau sauvage. Cet oiseau va mourir s'il reste avec lui. Il est d'accord pour me donner celui-ci, pour qu'on s'en occupe dans notre centre et qu'on le relâche dans la nature. Tu peux le tenir, s'il te plaît? Bien sûr. C'est une sorte de cas d'urgence, là. Je lui ai dit, si tu ne sais pas qu'un vétérinaire peut sauver l'oiseau, il n'y a aucun problème pour toi. Mais si tu le sais et que tu persistes à vouloir le garder pour toi, si l'oiseau meurt, tu iras en enfer. Si tu me le laisses et que je le sauve, tu iras au paradis. Je l'ai convaincu comme ça. Si cet oiseau ne mange pas et ne boit pas, il mourra. Je pense qu'il ne va pas survivre.
survive. Bon, ce docteur, c'est vraiment l'ami des animaux. Le matin au zoo, l'après-midi à la clinique. J'espère qu'il arrivera à sauver cet oiseau. Moi, je continue ma route. Merci pour tout, docteur, et bonne chance avec l'oiseau. J'espère. J'espère qu'il survivra. Je suis grave à la bourre et j'ai rendez-vous avec Mara, qui fait partie du gang des Speed Sisters. C'est des filles complètement ouf qui font la course auto en Palestine. Je suis à Jéricho. Cette ville a deux records. Le premier, elle a été créée il y a 11 000 ans et depuis sa création, elle est toujours habitée. Le second, elle est à 270 mètres sous le niveau de la mer, ce qui en fait la ville la plus basse du monde. Mais moi, je suis pas là pour ça. Je suis là pour la course auto des Speed Sisters. Le dimanche à Bamako, c'est le jour du mariage. À Jéricho, le vendredi, c'est le jour de la course auto. Tu as déjà gagné des courses ? Depuis que les courses ont commencé, j'ai gagné en 2009, 2010. En 2011, je me suis retirée et là, je me prépare pour celle de 2012. Les courses ne sont pas seulement en Cisjordanie. Des fois, tu vas en Jordanie ou en Israël pour d'autres courses. Non, je n'ai jamais participé à des courses en Israël. Je ne sais pas d'ailleurs si Israël invite des pilotes palestiniens à courir. En Jordanie, je suis allée à Aqaba et aussi en Tunisie au début du mois de juin. En général, les sports automobiles, c'est quand même des sports assez macho, réservés aux hommes. En plus, ici, on est en Palestine, c'est pas trop compliqué. Exactement, ce que tu viens de dire est vrai. Notre société pense que ce genre de sport est réservé aux hommes, mais pour moi, c'est un sport que j'aime, c'est un loisir. Au début, j'ai eu beaucoup d'opposition. Ce n'est pas un sport pour les filles, pourquoi tu fais ça? Mais moi, je suis déterminée et mon objectif est de les convaincre pour qu'ils changent d'avis. Heureusement, il y a des gens qui ont commencé à accepter cette idée. Et là, vendredi, la course à Jéricho, donc tu cours avec des hommes. Oui, les courses en Cisjordanie sont pour les hommes, il y a différentes catégories. Malgré tout, en 2010, je suis arrivée 8e sur 65 au classement général. Il y a combien de filles qui courent avec toi, qui font la course avec toi, chez les Speed Sisters ? On est 4 filles dans l'équipe, et si on compte notre directrice, ça fait 5. Avant, elle participait à des courses, mais aujourd'hui, elle manage l'équipe. Tu crois que tu peux vivre du sport automobile, ou tu seras toujours obligé de travailler à côté, et que ça sera bon, ta passion, certes, un hobby, mais que tu ne pourras pas en vivre ? Franchement, je ne compte pas travailler après mes études. J'ai déjà décidé que je continuerai à courir et que j'en ferai mon métier. Les courses en Cisjordanie sont comme des entraînements. Ce que je compte vraiment faire, c'est de la Formule 1. Voilà, je me trouve sur le lieu de la course. C'est une sorte d'académie militaire. Là, c'est un petit parking qui est transformé en stand où les concurrents font les derniers réglages pneumatiques et les derniers réglages moteurs. Et la course va se trouver de l'autre côté sur un plus grand parking. Les concurrents partent en rouge, contournent les plots, tournent deux fois dans chaque virage et reviennent sur le bleu. On contrôle le temps et bien sûr, c'est le temps le plus rapide qui gagne. Les concurrents font le repérage de la piste en marchant. Il y a environ une cinquantaine de concurrents, la plupart de Palestine. Je crois qu'il y a 5-6 voitures qui viennent de Jordanie. Et chez les filles, elles sont 4. Donc il me tarde de voir la course, je suis impatient de voir ce que ça va donner. Certains pilotes font des temps pourris, mais ils font le spectacle, ils mettent l'ambiance. Notamment le Jordanien avec la Mercedes noire. Il est arrivé, je ne sais pas s'il a pété le radiateur ou il a serré le moteur, mais un temps naze, mais
il a fait le spectacle. Bon, là, je vois la voiture de Mara, je pense qu'elle est là. Hey, hey! Hey, Mara! Comment ça va? Good to see you. Ça fait plaisir de te voir. Good? Hi, you are Mara Faza? Vous êtes le père de Mara? Yeah. Nice to meet you. Enchanté. What's your name? Comment vous appelez? Bon, Mara est toujours accompagné de son père, qui est son manager, son coach, et son principal sponsor aussi. Il a l'air aussi stressé qu'elle. J'espère que Mara va faire un score ce soir. Il y a une grosse effervescence autour des Speed Sisters, toujours en permanence. J'ai l'impression même que les mecs sont moins convoités par les journalistes que les filles ici. Elles sont 4 ou 5 à faire la course. Et les journalistes sont au taquet, quoi, en permanence sur elle. Non, nice to meet you, Guillaume. Hi, where are you from? I'm from France. Oh, okay. Français, je parle français. Tu parles français? Et tu fais partie des Speed Sisters, alors? Mara, c'est ta copine, mais sur la course, c'est plus ta copine. Non, elle est ma copine. Toujours, même sur la course? Ouais, toujours. Arrête. Sérieux? Je vous jure. Donc, okay, vous êtes combien? 4, 5, 6? On est 5. 5. Ouais, 5. Bon, t'as pas trop la pression avant la course? Pas aujourd'hui, non, parce que je vais pas faire la course aujourd'hui avec ma voiture, ça me fait chier. Bon, je te souhaite bonne chance. Peut-être à tout à l'heure. Ciao, ciao. Merci, mec. Bon, good luck, Mara. Bonne chance, Mara. Represent. Ouais, Mara est assez déçue. Bon, je trouve qu'elle a assuré, mais bon, je crois qu'elle a touché un plot dans un virage. Finalement, Mara termine avec le meilleur temps chez les filles. Elle gagne la compétition chez les Speed Sisters. Donc Mara, t'es la première. Ouais. Je suis trop fier. Moi, j'étais un peu son bodyguard, son ange gardien. Donc, si vous voulez faire du sport auto, prenez toujours un handicapé dans votre team, ça porte bonheur. Ouais, elle a gagné, pourtant j'ai pas l'impression que c'était la grosse fête. Mais je pense que Mara, elle intéresse vachement. Elle est super discrète, super humble. Bon, faut pas oublier qu'on est en Palestine. Ici, il n'y a pas de circuit, les courses se font sur des parkings et il n'y a pas de podium non plus. J'espère que Mara pourra vivre de sa passion et réaliser ses rêves. Dans mes bras. Merci, merci. Félicitations, je suis trop heureux pour toi. Merci. Bon, ce voyage est fini. J'ai rencontré les fonds du Krav Maga qui se foutaient sur la gueule et la fesse embrassée. Des mecs super cool qui voulaient sauver les fonds marins. Un mec sympa qui aimait son pays et qui aimait aussi la France. Des filles complètement giflées, fanas de sport automobile, avec qui j'aurais pas monté en voiture. Salam, shalom, salut.